Bienvenue dans le troisième épisode de Zelda Return of the Hylian. Oups. Donc, j'ai trouvé le niveau 4. Ah bah ça y est, je suis mort. Mais avant d'y aller, je vais visiter le niveau 3. Ça sera quand même plus logique. Donc le niveau 3, c'était le niveau des montagnes. Qui était... pas tout à fait par là. Ah oui. Ah bah si, c'est par là. C'est vraiment pas loin. Hop. Niveau 3, temple de la montagne. Donc j'avais juste obtenu la carte. Oh, 20 rubis. Ok, une grande salle vide. La boussole. Oh, j'ai pas envie de les tuer, ça m'embête. Aïe. Ah d'accord, ça c'est une deuxième entrée. Ah cool, je suis là. On va bien voir à quoi ça sert. Alors là, je crois qu'il faut pas y aller. Et là... Je comprends pas très bien là à quoi ça nous sert de venir jusqu'ici. Ah d'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit fragment de cœur ou quelque chose comme ça? Tiens d'ailleurs. Ah non, j'ai rien dit. Je vais arrêter de faire des allers-retours entre les deux écrans. Je suppose qu'il faut aller par là. Ah d'accord, c'est pour ce fragment de cœur là. Plus qu'un. Avant le prochain cœur. Ok, cool. Mince. Allez, on continue. Ok. Donc on peut aller voir par là. Aïe. Cool, une clé. Quelque chose me dit que j'aurai besoin de la lanterne bientôt. Là aussi. Il y a encore un endroit où je pouvais aller. Que j'ai pas encore visité. C'était par là. Ah bon, d'accord. Et ben ça c'est fait. Donc avec notre clé, on va pouvoir ouvrir la porte au début du donjon. Voilà. Je sais
suppose qu'il faut pas tomber dans les trous puisqu'il n'y a pas d'étage en dessous. Ah oui, je commence à comprendre. Sauf que ça va pas servir à grand chose de venir là parce que j'ai pas la lanterne. Je vais avoir besoin d'une bombe. Voilà. Mais j'ai pas la lanterne. Ok. Alors, ensuite, je peux aller voir par là. Ah. Donc j'ai dû rater un truc. Qu'est-ce que j'ai bien pu rater, je vois pas. Parce que là-haut j'étais bloqué. Je peux pas passer. Peut-être là-bas. Je vais revenir au début du niveau pour aller plus vite. Ah oui, c'est là. Je suis pas allé là encore. Voilà la clé manquante. Oh, et puis allez, on va. Mince, on va refaire ça. Donc maintenant, il faut retourner là où j'étais. C'est-à-dire. Ouais, c'est-à-dire là. Voilà. Un petit coup de grappin. Alors, où sommes-nous? On peut monter. Ouais, je pense qu'il faut monter. Pour commencer. Et voilà. La lanterne. Attendez un petit peu. Hop. Oups. Et hop. Et on revient ici. Parfait. Du coup, on peut aller là, par exemple. Ok, tout ça pour une nouvelle petite clé. Après, il y a aussi par là où on était bloqué. Non, par là. Voilà.
Oups. Voilà, une bombe. Ensuite, on va refaire tout le tour pour atteindre la deuxième torche. Ouais, c'est par là. Beaucoup de longs couloirs dans ce donjon. Donc après, j'ai plus qu'à aller là-haut, je pense, pour avoir la clé du boss. Et donc, comme j'ai la flemme... Voilà. Non, c'est par là. Ah, mais je suis bête, ça s'est sûrement éteint. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on est trop pressé. Et ben c'est reparti. On va retraverser tous les couloirs. Désolé. Je bien des cœurs au lieu d'avoir des bombes tout le temps. Voilà. Évidemment, je vais pas avoir non plus assez d'énergie magique. Ok. Alors, ensuite, par là. Je veux de l'énergie magique, s'il vous plaît. Est-ce que les monstres ils pourraient m'en donner de temps en temps? Ah oui, voilà. Très bien. Ok, ensuite on va revenir là-haut. Mais cette fois-ci sans faire sauvegarder et quitter. Ah, mais c'est par où déjà? C'est par les escaliers. La clé du boss! Mais qu'est-ce qui se passe si je tombe là?
Ah, d'accord. Je ne retombe pas au rez-de-chaussée. Bon, ben voilà, après ce petit contretemps, nous allons pouvoir combattre le boss. Pas beau. Aïe. Je suis en train de me faire tuer. Ah mince. Ah bah d'accord. Je sais pas si c'est une bonne arme, les flèches, si ça a l'air pas mal. Voilà. Cristal magique numéro 2. Numéro 3, pardon. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il me fallait les palmes pour finir le temple de l'eau. Alors... Pardon, j'ai fini ce donjon. Je me demande si le forgeron, il va accepter de me faire une nouvelle épée. Ah oui, triplé de puissance et peut désormais renvoyer certaines attaques magiques. Cool. Oui, je suis allé le voir. Ok, bon bah c'est pas mal. Et puis quand j'aurai 100 rubis, je pourrai m'acheter un nouveau flacon. Ah bah je suis pas loin d'avoir 100 rubis. Je vais essayer de les obtenir. 95. Bah voilà, 100 rubis. Ouais. Oups. Deux flacons magiques. Ok, bon bah tout ça c'est très bien. J'ai plus un seul rubis, donc c'est le moment d'aller visiter un temple. Et dans le prochain épisode, nous visiterons le niveau 4, le temple du désert. Ciao !